Nous sommes réellement école de Côte d'Ivoire et effectivement au lycée moderne Cocody en Grès. Regardez la souffrance de madame le proviseur et des professeurs. Ne cachez pas vos visages. Parce que l'histoire est têtue. Et on va retenir ça dans l'histoire. Ouvrez vos visages. Parce que les gens vont croire que c'est un montage. Regardez ici, messieurs et dames. Messieurs et dames, ce n'est pas pour faire des buzz, mais c'est la réalité de notre lycée. Lycée moderne Cocody en Grès. Il n'y a pas de table banc. Les élèves sont assis à même le sol. Il fait les coups. C'est choquant. Et je ne peux pas, si vous cachez vos visages, ça ne me plaît pas. Je ne peux pas faire cotiser les élèves pour acheter des bancs. Madame le proviseur aussi ne peut pas faire cotiser les élèves pour réaliser des bancs. Donc, souffrez que je vous montre la réalité du terrain. Nous sommes vraiment en souffrance. Voilà, moi c'est le professeur d'art plastique, M. Kwame Fiko, artiste peintre de son état aussi, voilà. Vous allez me voir tout à l'heure parce que je ne peux pas supporter ça, que les élèves n'aient pas de banc pour travailler dans cette grande Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire dirigée par de grandes personnalités. Voilà, donc, jeune homme, essaie de filmer, vous me filmez, vous me mettez à la ligne. Voilà. Regardez le sol, là. Regardez. C'est la réalité, regardez comment je suis assis. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de banc. Ivoirien, Ivoirien. C'est la réalité de nos écoles. Ça, vous allez voir dans les lycées de Koumassi, les lycées de Abobo, les lycées de Corboué, les lycées de Koumassi, les réalités sont là. Ici au lycée moderne Cocody en Grès, il n'y a pas de banc. Comment vous voulez qu'on travaille? C'est la réalité. Nous n'avons pas de table. Nous n'avons pas de table ici. Ce n'est pas la faute des professeurs. Ce n'est pas la faute de madame le proviseur. C'est pas la faute. Mais c'est des bancs qu'on nous a envoyés. Mais les bancs sont tous, on peut dire, abîmés, détruits. Donc, s'il vous plaît, messieurs et dames, c'est un cri de cœur. Nous avons besoin de bancs dans plusieurs classes au lycée moderne Cocody en Grès. Peut-être il y a trois classes comme ça qui n'ont pas de banc. Et c'est la réalité. Regardez nos élèves qui sont assis à même le sol. Ce n'est pas une invention, mais c'est la pure réalité. Moi, je suis M. Kwame Fiko, professeur d'art plastique au lycée moderne Cocody en Grès. Et artiste peintre. Je fais de grands tableaux, mais là, souffrez que. Peut-être que si vous achetez mes tableaux, je peux réaliser des bancs pour les mettre dans. Ça aussi, c'est vrai. Dans ces classes vides. Ça aussi, c'est vrai. On va acheter des tableaux. Voilà. Mais depuis un bon moment, les tableaux des artistes peintres de Côte d'Ivoire ne sont pas achetés. Les tableaux de M. Fiko ne sont pas achetés. Voilà. Donc c'est la réalité. Nous avons besoin de bancs.
Monsieur le Président de la République, Madame Dominique Ouattara, parce que c'est dans votre bureau que j'arrive pour exposer le problème. Nous avons besoin de bancs au lycée moderne Cocody Angré. Merci, merci de faire ce geste salvateur pour que l'année 2024 et 2025 puisse être bouclée, non pas dans la honte, mais dans la dignité. Merci, messieurs et dames. Merci pour vos gestes. Que ce cri de cœur vous parvienne. Merci, merci. Patissant Ghana. Appelez Maria Toukoné, appelez Maria Toukoné. Appelez le Wawara qui se prenait pour dire président Guépa, appelez-moi Draman, coupez-moi Draman. Oh là là, ya, Patissant Ghana. Au moins trois classes, il n'y a pas de taban. Voilà, je comprends pourquoi Katina Koné est allé offrir 115 bancs dans la région de Katchoulala. Katina Koné, il allait offrir 115 bancs, 115 tabans. Le préfet même est venu pour le don, pour le féliciter. Parce qu'il n'y a pas de tabans. Mais regardez, regardez le premier qui mine. Cocody, lycée moderne Cocody Angré. Il n'y a pas de tabans. Au moins trois classes qui n'ont pas de tabans. Mais regardez comment les élèves sont assis. Regardez comment ils sont assis par terre. Regardez, regardez le sol, comment c'est gâté, c'est cassé, cassé. Hein? C'est quoi le voix qu'il y a là? Quand il voit qu'on vous monte, qu'on vous miroite comme Paris. Quand il dit Paris, il y a Paris. Hein? Paris 16e. Paris 8e. Hein? Les quartiers huppés de Paris. On dit à bien des comme Paris. Les quartiers huppés de Paris. Comment? Ja, c'est ça là. Allez les frères, nier la réalité. Monsieur Kofi, merci beaucoup. Merci pour ce cri de cœur. Mariatou, il faut venir acheter ta banque pour donner aux gens là. Ils vont aller à l'école. Ça là, c'est même pas politique même. C'est même pas politique. Il faut donner ta banque aux gens là. Ils vont aller à l'école. Parce que vraiment, votre affaire, on ne comprend plus rien dedans. Tantôt, vous suspendez des salaires de certains professeurs, de certains enseignants. Vous ponctionnez les salaires de certains enseignants. Tantôt, vous tentez même, vous voulez radier même certains enseignants pour avoir grévé. Et mais là, c'est les élèves qui ne peuvent même pas, qui ne peuvent rien faire. Et malgré tout ça, le syndicat des élèves et étudiants qui existe, qui fonctionne normalement en Côte d'Ivoire, vous voulez dissoudre ça. Bon, qui va revendiquer ce genre de droit? Qui va dénoncer ce genre de choses? Vraiment, l'école ivoirienne, c'est grave. Hein? Mariatou, il faut travailler. Il faut travailler parce que tu ressembles à Balthazarès, la Balthazarès façon là. Ne faites pas les choses de Balthazar dans vos bureaux là-bas. Hein. Vous les femmes du gouvernement et drama là, ne faites pas les choses de Balthazarès dans vos. Chez vous là-bas, on n'est pas d'accord avec ça. Hein. Travaillez pour nous, travaillez pour les enfants. Travaillez pour nos élèves. Il faut trouver ça, c'est combien? De toi à moi. Ça là, les tables là, c'est combien? Pour trois classes, c'est combien? Ça peut même pas faire un million. Ça peut même pas faire un million. Bon, si c'est trop, c'est 2 millions. Trop! 2 millions. 2 millions, c'est quoi dans ton budget? C'est quoi dans ton budget, Mariatou? Il faut aussi faire ça. Monsieur Kofi, merci beaucoup. Je sais que la dame, la pauvre proviseur, elle a écrit, on peut en lui répondre. Donc, camarades pédafrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Donc, vous présentez quoi la 2005, Inch'Allah, c'est ça le vrai point.
Allez vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. On est à la dernière semaine, les trois derniers jours. Allez vous faire enrôler rapidement. On est ensemble.